Eh bien salut à tous et bienvenue dans le mode carrière de FIFA 19. Voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode sur cette nouvelle série, enfin dans ce premier épisode sur cette nouvelle série sur la chaîne de 888, donc FIFA 19 en mode carrière. Donc on est parti, donc tout de suite on traîne pas. Voilà, donc en mode carrière. Donc j'ai, comment dire, fait une première version, mais ça j'ai eu des problèmes. Bah, en fait le problème c'est que j'avais laissé la musique, du coup je me suis dit que j'aurais eu des problèmes au niveau de la diffusion de l'épisode. Donc du coup j'ai préféré recommencer en coupant la musique, en prenant soin de couper la musique, pour pas avoir ce genre de problème. Voilà, donc mode carrière. Donc il faut tout de suite choisir le club. Donc en fait ce que j'ai envie de faire, c'est on va. Je sais qu'il y a un joueur d'Auxerre qui est pas mal à prendre. C'est un attaquant. Voilà, j'ai pas forcément envie de créer de joueur. Bon, ça peut être sympa, mais bon, voilà, j'ai plutôt envie de prendre un joueur qui existe déjà. C'est plus fin, plus simple. Enfin, ça évite de se prendre la tête avec la création du joueur. Et en plus, en même temps, comme ça, on reste dans un univers cohérent. Enfin, il n'y a pas de création d'un joueur fictif. On reste avec que des vrais joueurs. Voilà, donc on y va. Donc avec la JOCR. C'est en Ligue 2 en plus, ça m'arrange. Voilà, donc continuer. Donc légende, puisqu'en fait, bon, j'ai fait un match, le match, comment dire, le premier match où il évalue le niveau, et en fait, bon, il m'a mis au niveau le plus difficile, bon, sachant qu'après, l'intelligence artificielle du FIFA, comme j'expliquais tout à l'heure dans la première version de cette série, enfin, le premier épisode, qu'il faut que, enfin, que j'ai pas pu mettre en ligne forcément. L'intelligence artificielle du FIFA c'est pas non plus voilà quelque chose d'extraordinaire, donc légende c'est pas non plus voilà, ça veut pas dire que je suis un super joueur, mais bon ça veut dire juste simplement voilà qu'effectivement il m'a mis à ce niveau-là, mais bon ça veut pas dire grand-chose, je suis loin d'être le meilleur joueur de FIFA de la Terre, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, donc choisir un vrai joueur, donc avec avec Auxerre. Moi c'est l'équipe que j'aime bien, Auxerre. C'est l'équipe que j'aime bien. Donc c'est bien, ça m'intéresse. Donc c'est parti. Donc normalement il y a un joueur, tout jeune joueur, qui a 16 ans. C'est ce que j'ai vu. Voilà, c'est lui. Yanis Begraoui. Donc on va prendre lui en fait. Il a que 59 pour l'instant, mais évidemment, 16 ans, il va nous laisser, ça va nous laisser de la marge pour progresser. Et l'idée, c'est de bah, faire les entraînements, etc., et de le faire progresser. Donc, on y va. Donc, on prend ce joueur-là. Voilà. Allez vers continuer. Continuer. Donc, on prend Yanis Begraoui. Bon, il n'y a pas de photo, mais bon, c'est pas grave. Donc, voulez-vous vraiment débuter votre carrière avec Begraoui? Oui. Avec la JOCR. Bon, la JOCR, c'est l'équipe que j'aime bien, c'est une équipe sympathique. Créer une nouvelle carrière. On garde le niveau. On garde le niveau. Je raconte n'importe quoi. Le nom de fichier par défaut. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avant de faire le premier match, on va faire un entraînement. Donc c'est un attaquant, donc on va faire des entraînements offensifs. Hein. Voilà. Ça me paraît battre le gardien difficile. Bon, on va faire des suggestions. Alors reprise de volée, ok. Ensuite, on va prendre objectif poubelle. Alors attendez, on va garder pour l'instant. On va faire slalom, tiens. Voilà. Ensuite, on va faire. On va faire entraînement tac pour l'instant.
On n'a pas beaucoup en tacle, donc il faut s'entraîner tranquillement. On complexifiera les entraînements après, peut-être. Passe en profondeur lobée, passe dans les espaces démarqués. Passer entre les obstacles, ouais, ça peut être bien. Et ensuite, peut-être une séance de coup franc, ça peut être bien. On va faire ça, coup franc direct novice. Ok, on débute entraînement, c'est parti avec Yanis pour les 42. Ouais, c'est pas effectivement, comment dire, ces stats sont pas terribles. Hein. Alors, visiblement, ça droitier. Ok, bon, ça va, je m'en sors pour l'instant. Ouais, mais là. Faut que j'arrive à toucher les cibles. Ah non, je tire à côté. Faut que j'arrive à remplir le cercle bas. Je sais pas si je vais y arriver. Ouais, si, quand même. Je fais quand même un A, donc ça c'est bien. Allez, on continue du coup. Comme on a fait A, on recommence pas. Alors, on va virer tout de suite le curseur là, hygiène. On s'en sort. Ah mince, dommage. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à faire un beau score. Ok, on continue. On a fait A. Oh, tacle. Oh là, je pars vraiment très bas là. J'ai vraiment pas beaucoup en tacle. Bon, ça va, on arrive à faire des scores. Ouf. Oh là là. B. Bon, on va essayer d'avoir A. Bon, ça va, j'ai le tempo. Ah, je l'ai raté là. Cette fois-ci A, donc ça c'est bien. Allez, entraînement suivant, c'est parti. Passer entre les obstacles. Ah oui, je me souviens de cette séance que j'ai fait tout à l'heure. Donc ça c'est un petit peu plus complexe. Faut faire attention, faut aller doucement en fait. Mais si on va doucement, ça va, y a pas de problème. Tout de suite, bon ça c'est bien, coup franc direct. Voilà, farce s'entraîner, on n'a pas un gros score. Oula, ah bah, là, tu peux t'écrouler, c'est comme ça, tu te tires à côté là. Voilà, par contre là celle-là elle est belle. Ouais, je suis pas si mauvais que ça, mais bon, il faut bien doser. Voilà.
C'est bien beau de contourner le mur, mais si c'est pas cadré, ça sert à rien. Dans les cibles. Oh, oh, le ballon il est passé entre les deux cibles quoi. Ah oh non, pourtant là c'était j'ai tiré assez fort là. Ah ouais. Bon ça va, je me suis bien débrouillé, je vais avoir un 1 là. Même si je rate le dernier, c'est pas grave. Ah, c'est bien. On va voir le résultat. On va avoir que des A. Donc ça c'est bien. Ça va nous faire progresser. C'est bien, ça va nous faire gagner des points. Ok, jour reste en 7, toutes les séances sont terminées. Bon bah donc on avance, hein, on continue. En espérant qu'ils me retiennent pour le match. Ah bah je t'ai retenu dans l'équipe aujourd'hui, super. Donc on a une chance, on joue un match amical. Domicile, ok. Agi Auxerre, belle. Alors, on contrôle B gravi, hein. C'est ça. Un succès. Ok, bon, on y va. Premier match amical. C'est parti pour Agi Auxerre Belenze. Belenze, quelque chose comme ça. C'est parti. Donc, bah, vous voyez, je joue avant centre. Donc, on y va. Je sais pas du tout ce que vaut le joueur. On verra. En tout cas, il a l'air de courir assez vite. Ça, c'est plutôt bien. Après, est-ce qu'il frappe bien? On verra. De toute façon, après, le but, ça va être de le faire progresser. Il a que 16 ans en même temps, hein, c'est un tout jeune joueur. Moi, Auxerre, c'est une équipe que j'aime bien. Alors, faut que je fasse attention à rester bien placé. Sinon ma note va descendre. Ah dommage. Ouais, c'est... ouais non, j'ai pas réussi à faire le pressing. Ah, j'ai pas réussi à... dommage. Ah, attention, attention à cette action, là, parce que là, ça peut être dangereux. Oh là 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 là, eh ben ouais, but. Ouais. C'était un peu écrit d'avance, cette histoire, là, sur ce jeu contre, là. Alors, je viens de voir, il y a écrit PSG sur le maillot, je sais pas pourquoi.
maillot de l'équipe adverse. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas le PSG. Belle idée. Ah, dommage. Attention ici à cette action. Oh, oh là 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 là. Heureusement qu'il a mis le pied là, le défenseur. Attention. Oh là 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 là, c'est chaud. Bon, je rappelle, hein, Auxerre qui joue en Ligue 2 française. Donc on va, une fois qu'on aura fini le match chez Nico, on attaquera la Ligue 2. En espérant aller en Ligue 1, pourquoi pas. Ouais, non. Ça, ça marchera pas. Bon, coup franc pour nous. Allez, on va essayer de se créer une action. Ouais, non. Joue simple. Ouais, bah ouais. Il a raison en même temps. Il a raison. Faut jouer simple. Faut pas chercher la complication. Sinon, on s'en barre dans des trucs pas possibles. Ouais, non, je frappe du gauche là, ça peut pas marcher ça. Tir lamentable, bah ouais. Je vais bien te croire. Je tire du gauche, je suis droitier. minutes. Allez, faut qu'on essaye de se créer une occasion là. C'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Attention à cette nouvelle action là, bon, c'est bon. On n'a rien compris. Bon, c'est que le premier match en même temps. On a 16 ans, premier match. Bon, il y en a marre d'autres des matchs, hein, donc c'est pas non plus catastrophique si on perd ce match, mais moi j'aimerais bien le gagner quand même. Quoi. Ah bah, c'est mal parti. Hein. On se prend un deuxième but. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mi-temps. On est mené 2-0, ça c'est pas bon. Bon, j'ai pas de points négatifs, mais pour autant, on perd 2-0 quand même. 5,8, c'est vraiment pas terrible. Globalement, un match correct, c'est 6,5, 7, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc là, pour l'instant, je suis en dessous de la moyenne. On n'arrive pas à récupérer le ballon, à être dangereux. Peut-être la soustraction. Ouais, non, on perd le ballon. Attention, attention. On va s'en prendre un autre. Allez, peut-être. Ouais, non.
Et j'étais marqué en même temps, j'étais marqué. Ah, mais ma note qui remonte, donc ça veut dire que je me débrouille pas si mal que ça. Je suis remonté à 6. Et il m'a pas sorti l'arbitre, l'entraîneur, donc ça c'est bien. Ah, mais ouais, mais j'ai pas le temps de donner le ballon, je peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Alors, on va essayer de contrer le joueur. Ouais, je suis contré. Faut être plus prompt là à récupérer le ballon, hein. C'est ça le problème. Là, c'est compliqué, hein. Ils sont plus rapides que nous, plus techniques. Ils perdent moins le ballon. Et du coup, bah, le score est logique. Attention, attention. Ah, bien joué. Allez, il faut qu'on arrive à se créer une action là. Ouais, j'arrive pas à prendre le ballon de la tête. Allez, allez, il faut qu'on arrive à se créer une action, mais c'est pas possible. C'est complètement stérile. Allez, peut-être. Ouais, mais non. Ah, c'est pas vrai. Allez, dernière cartouche là. Impossible de me démarquer, pas de ballon, je peux pas faire grand chose. En tout cas, j'aurais joué tout le match, ça c'est plutôt pas mal. Il faut balancer devant là, sinon l'arbitre va siffler la fin du match. Et bah ouais, forcément. Ouais, on perd 2-0, défaite logique. On a été maîtrisé. Il n'y a pas eu de suspense. On n'a pas su revenir en match. On n'a pas su. On n'a pas su. Ouais, c'est ça. On n'a pas su revenir en match. On n'a pas su être dangereux. 6 quand même. Bon, match moyen, on va dire. Tu dois assurer tes passes-cours, toi, d'accord. Alors, je reste en toi, toutes les séances sont terminées, ok. Ah, il y a encore un match. Bon, on va le faire aussi. Hein. En espérant qu'on fasse mieux que ce qu'on a fait lors du premier match. Allez, c'est reparti. Tir de base. Oula. J'ai un peu merdé l'exercice là, quand je recommence. Faut
je m'habitue au fait que je tire du pied droit. Après, tout à l'heure, j'avais fait un joueur gaucher, en fait. Cette fois-ci, celui-là, il est droitier. Ok. Ok, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Allez, on y va. Entre deux exercices, c'est bien de faire des matchs, quand même. Allez, Brøndby. On va essayer de remporter ce match. Et essayer d'inscrire notre premier but. Ou essayer de faire une passe décisive. On va essayer d'être décisif sur ce match en tout cas. Sur le plan individuel. Après, sur le plan collectif, si on remporte ce match, c'est bien aussi. Voilà, pour l'instant, Brøndby en action. Allez. Donne le ballon plus tôt, bah je veux bien, mais attends, je l'ai eu 2 secondes le ballon. Bien joué, gardien. Ouf, là, il l'a balancé, bah ouais. C'est normal qu'il y ait coup franc. Hein. Allez, peut-être qu'on peut contrer là. Si on arrive à ressortir proprement le ballon, on peut peut-être faire quelque chose. Allez, lance-moi, 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 lance-moi. Ah! J'étais hors jeu. J'ai l'impression que c'est un peu plus ouvert que le match précédent. Bien que en même temps ils aient l'air bien dangereux aussi Brøndby, hein, j'avoue. Mais ça, il y a l'air d'avoir plus de possibilités d'espace devant. Ah non, 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 mon espace là. Ah, j'ai des progrès à faire. Ça se sent. Allez, faut récupérer là. Voilà. Ouf, ça balance devant. Ouais. Ok, allez. Ah, dommage. Ah, peut-être. 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 Et oui. Et oui, il est validé le but. J'ai cru que j'étais hors jeu, mais non. Non, 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 j'étais pas hors jeu. Et voilà, premier but. Premier but de ma carrière. Voilà. Sur cette belle remise là. Une frappe croisée dans la lunette. C'est bien. Ça nous met sur les bons rails. Attention, oh là 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 là, c'est chaud là. Faudrait qu'on arrive à récupérer là. Là, je suis en embuscade en contre, mais ouais. Allez.
Là, je fais un meilleur match que le premier match, hein, quand même. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas photo. Maintenant, ce qui serait bien, serait de creuser l'écart. Histoire de... d'assurer le résultat. Ouais, mi-temps. Ok. 1-0 pour nous, ça c'est bien. Avec un but à la clé. Allez, deuxième mi-temps. Ça joue vite, hein, mine de rien. Dommage. Allez, faut arriver à ressortir le ballon. Ah, dommage. Le centre était pas mal, mais la conclusion est pas... Bah ouais, mais je le donne à qui? J'étais cerné. J'étais cerné. Attention. Attention. Heureusement. Oh là là, c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce football à l'anglaise là? Des têtes partout. Mais ouais, mais j'ai pas le temps de donner le ballon. Ouais, j'essaie d'anticiper, mais... On mène toujours 1-0 en tout cas, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise c'est qu'on n'arrive plus trop à se créer d'occasion pour l'instant. Allez, peut-être sur cette action-là. Allez, 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 allez. Non, le centre ne donnera rien. Reste en position, ouais, laisse-moi le temps de revenir en position quand même. J'étais sur le côté. Ouais, avec un peu de chance, on va gagner ce match. C'est bien parti en tout cas. Allez, peut-être.
Ah, dommage. J'étais positionné au point de penalty, mais pas de. Le centre n'est pas arrivé à destination. Bon, ma victoire. Voilà, ça c'est bien. Une défaite, une victoire. Et on a quand même réussi à marquer dans ce match. Donc ça c'est bien. C'est plutôt pas mal. Pour un deuxième match, on arrive à marquer dès le deuxième match. On a que 16 ans, hein, je rappelle. Donc c'est plutôt bien d'avoir marqué. C'est bien, c'est une bonne note. Ok, bon, voilà, on a 3 points en 2 matchs. Ok, forcément, puisqu'on a une victoire et une défaite. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce premier épisode du mode carrière. Donc avec, avec la JOCR, avec, donc, en mode carrière, donc avec Yanis Begravi, voilà, joueur de 16 ans. Voilà, en espérant que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode numéro 2 du mode carrière sur FIFA 19 sur la chaîne Emilio 188. Allez, ciao, salut à la prochaine.